sacripant! J'arrive pas à croire que vous ayez réussi! Grâce à vous, je vais enfin me sentir en sécurité dans cette ville pourrie! Mais rien, mais vous êtes qui? Oh bon Dieu, les mecs! On a 100 dollars pour lancer notre franchise! Les putains de Kroon et sa bande! Bordel, les mecs! On a réussi, mec! C'était top! Récompense de 100 dollars, nous voilà! Wow, wow, attendez! Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous emmenez ce chat? Ah, ouais, désolé, les potes de la liberté, c'est une info qu'on peut pas partager avec vous. Vous savez, elle est genre classifiée. C'est parce qu'on s'est fait avoir! Oh, merde! Le nouveau nous a roulé, les potes de la liberté. Il a fait semblant de vouloir se joindre à nous. Quoi? Ouais, le nouveau vous l'a totalement fait à l'envers. Désolé! Ils ont suivi notre piste jusqu'au poste de police et veulent maintenant récupérer la récompense de 100 dollars pour ce chat perdu. En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis, Lopette. J'adore quand tu les traites de Lopette de la liberté. Enfoiré! C'est nous qui avons déjoué le plan du chef de la police! Les 100 dollars de récompense sont à nous! Ah ouais? Ben venez la chercher! Ça, oui! Troisième guerre civile! C'est parti! Tu l'as cherché. On va t'étriper. Non, Mysterion! Ce n'est pas nous qui allons affronter le nouveau. C'est eux! Ok, le nouveau, fais tes prières! Mettons une raclée à ce petit merdeux! Ah! Moi contre tout le monde, c'est un peu terrible ce qui se passe! Je vais la tenir, acolyte! Ok. Haha, mon fidèle casque doit me protéger de tes pouvoirs mentaux. Ok, mais pourquoi mon cerveau n'a pas été piraté? Désolé, K.O. Malheureusement, le docteur Timothy. Ok, on va revenir en arrière direct. On sait jamais. Un nombre limité d'esprit. Ah ouais, non mais les mecs. Bah ouais, c'est compliqué ça. Évidemment, tout le monde en a après la fille. C'est compliqué. Chopez le nouveau, chopez-le. Ça va piquer. Ok, je pense qu'il va falloir attaquer. Le con frappe à nouveau. Je suis contente de travailler avec toi. Ok. Bon. Comment on peut faire? On va faire ça tout simplement. Allez, j'y crois les gars, on peut faire. Cartman ne se bat que pour lui, le nouveau. On peut y arriver calmement, ils ont saignement. Faut que je prenne cet appel, le mec. Ouais, ouais, ouais. Il a une bulle de protection, ça sert à rien. Il y a une barrière. Ok. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va les faire un par un, c'est pas grave. Cartman en parfait, premier. Ne bouge plus. Troisième attaque. Rabatteuse assure grave, les mecs. Oh, merci, Butters. Qui c'est, ce Butters? Je suis le professeur K.O. Pas de soucis, je te coupe. Aïe, 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 forcément. Fallait y penser. Et eux, ils ont pensé. Vilain. Je suis un gentil, maintenant. Ok. Quoi, frérot, je suis désolé. Quoi? Cartman, on a le pas compris cette connerie. Timmy, arrête de me pénétrer le cerveau, putain! D'accord, c'est bon, il est avec moi maintenant, très bien. Je le sens bien, ce coup-là, les mecs. Très très bien, même. Ok. Allez, on va faire ça. Oh. Il aurait fallu bien que je prenne soin, je reste de ce que je mérite. Allez, faut voilà, punir forcément. Le nouveau. Mais ça fait des attaques en moins, c'est plutôt cool. Et ils vont tous se rallier à moi. Oh, Jessica. Oh, ça va, c'est pas comme si je t'avais pondu sous la peau. Hé, hey, mec, mollo. Ok. Normalement, je peux attaquer tout le monde, là. Pote de la liberté ou Kroon et sa bande, pour moi, t'es cool. Kroon et sa bande. Peut-être un peu plus pote de la liberté. Allez. Hop, ça c'est faire, beau, saignement pour les deux. Suffit de tweeter pour avoir un flash mob. Ça, c'est très très beau aussi. On est parti. Un des meilleurs ultis, sûrement. Et voilà, financement participatif de la lutte contre le crime. Eh bien, voilà une bonne chose de ouais, fait. C'était bizarre. Et pas cool, Timothy. Ça y est, on a flash. Je suis de retour dans l'équipe, Trouduc. On a flash avec nous. Je vais me faire un malin plaisir de lui mettre ce qu'il mérite à lui, qui dans la situation tourne en notre faveur. Voilà. Ah, sors de ma tête, docteur Timothy. Je suis avec toi, Trouduc. Oh, je suis en l'air, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que je propose, les gars, je suis là. C'est mettre un bouclier à moi-même. Ok. Préparez-vous à souffrir. Zap. Lui, on s'en occupe. C'est bon, c'est bon. Tout le monde rejoint ma cause. Ils m'ont eu, ils ont fini par m'avoir. Le docteur a affecté mon cerveau, mais je suis de retour, Duc du Trou, et prêt à sucer. Ok, ils vont se faire procéder à leur tour. C'est pas mal, c'est pas mal, ils sont nombreux.
Je peux peut-être utiliser un Moïse là. Beau combat à nouveau. Je crois qu'il va falloir régler ça à l'ancienne. Mmh. Bah le docteur Timothy, ok. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va faire un Moïse. J'ai toujours été un partisan de la vengeance. Non. Oh putain, j'ai fait qu'il allait me tuer. Ok, il m'en reste un. Allez, c'est une sorcellerie juive. Full HP. Oh, j'ai fait le con, j'aurais dû reslot. J'ai été con, c'est ma faute, c'est ma faute, j'étais stupide. Les dettes seront effacées, les esclaves libérés. Moi. Allez, on est reparti. À toi, cul d'enfer. Ah putain. Si seulement je la verrais. Comment on peut faire? C'est bon, là je touche les deux. Ok, hop, ah, c'est le moment sur les deux. Laissez passer, rabatteuse. Mm-hmm. Laissez passer, rabatteuse. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas soigner, rabatteuse. Notre ami Kart. Et te revoilà en ligne. Il peut faire du lourd. J'ai confiance en lui. Le coup, on est de retour. Ouais, t'es de retour, mais c'est compliqué. Hein. Baissez-vous du coup. Ok. Bougez pas. Hop. Un petit 400. Non, ça je peux pas. Un petit 80, ça sert à rien. Un peu compliqué cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut rien faire finalement. Et ça, c'est terrible. Ok, ça, qu'est-ce que ça fait? Attendez, ça soigne? Ça soigne de combien? Ça soigne de combien cette histoire? Waouh! Ok, on va soigner. C'est bon ça! 400. Ça va le faire. Et je suis plus invisible par contre. Ça c'est terrible. Comment ça se okay. Fait ici? Maintenant toi tu vas clairement prendre ce que tu mérites. Cool. Je vais essayer c'est de rallier les deux frérots là à la cause. L'heure de diabète a sonné. On peut le faire. Allez, c'est pas grave. Hop. Non, vas-y, j'arrête pas. J'arrêterai pour le professeur au cas où. Tu captes pas la notion d'espace? La prochaine fois, si t'as un doute, tire-toi. Là, c'est un super Craig. Qui a le plus besoin d'un pain dans la tronche? Oh la vache, les gars. Prenez ça, pyjama. Ah oh merde, okay. Ça va, ah, oui, c'est à volant. C'est ouais. Compliqué là, ça devient compliqué. Préparez-vous à un max de chaos. Ok, je peux faire quoi? Je peux faire ça, ça me paraît pas mal. Allez, vas-y, on va faire ça. Au moins, il aura choc, c'est plutôt cool. Ça fait des dégâts, et pas pour rien. Tout le monde y est allé à fond, ça va me faire à tout donner. Hop, on revient en arrière pour lui, aucun problème. Désolé pour ton tour. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui mettre des goûts, par contre. Ça, c'est plutôt cool. On peut lui mettre... On va l'utiliser, comme ça, on lui met des goûts par la même occasion, les gars. On va pouvoir se débarrasser d'un là. J'ai toujours trouvé les moustiques plutôt cool. Donc il va vomir à chaque fois. Ok, il s'est TP. Voilà, super. Il s'est TP la case du bas. Incroyable. Fouleur sur la gueule. Sûrement un de ses meilleurs sorts. Ok, on va faire ça. Ça me paraît pas mal. La puissance des arts martiaux, les amis. Félicitations, super ami. Ok, il y en a un qui est KO donc il va rejoindre ma cause. Impeccable. Pourquoi on peut pas tous redevenir amis? Capitaine Diabète s'apprête à frapper. On peut tous redevenir amis, ne t'inquiète pas. Rabatteuse, réponds à l'appel. Pop. Là, je peux pas toucher, par contre, je peux toucher avec ce sort. On va faire ça. Tu vas me détester. Ok, on va y arriver. Honnêtement, pour moi, c'est gagné. T'as plus qu'à raboter tes empreintes digitales défense, et repartir de zéro. Déjà pas. Ouais, tu vas t'éteindre où, mon grand? Très bien, vas-y, viens dans ma ligne, y'a pas de soucis. Reculez, ami du Gaune, le chef est là. Y'a pas de soucis, vas-y. T'as des goûts, t'as saignement, tu veux quoi de plus? T'es sans défense? Vas-y, TP à chaque fois, y'a pas de problème. Vas-y, régale-moi. On peut même faire ça, en fait. Voilà, comme ça, il va me rejoindre moi. Un ennemi est tombé. Il va toucher quelqu'un d'autre. Allez, rejoins la famille à la table. Ok, aucun problème, on a tout le monde. Finissons-en avec ça. Bah il me sert à rien, impeccable. Lui il a ralentissement, il me sert à rien. Prends garde le mal, car du ciel fond le cerf-volant. Par contre, ce que je peux faire, et ça c'est cool, bah c'est soigner. C'est soigner les gars. Guéri. Donc ça, hop, c'est moi qui te régale. Ah ouais, c'est ce qu'il me fallait. Tu viens à la personne. Et là qu'est-ce que je peux faire? Bah rien.
Allez. Timmy, Timmy. Non. Dis-moi pas qu'on met trois sous un. Ça arrive à tout le monde de plus savoir où on en est. Waouh. Compliqué. Compliqué ce problème. Là, il prend ce qu'il mérite, hein, très clairement. Saignement, voilà. Il prend. Parce qu'on a un système immunitaire qui va prendre cher. Ok, ça inflige des goûts. Pas mal. Ça paraît pas mal, ça. On va mettre il des goûts. Il faudrait vraiment te passer le tube buccal à l'alcool entre les mains. Ça, je les soigne, finalement. Parce que de toute façon, ils sont manipulés par un autre, comme on dit dans le milieu. Allez, acolyte, écrase-le. Ok. On va lui mettre en bras, non? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout, ça. De nouveau, ne te laisse pas avoir par Cartman. Ok. À mon tour. On va essayer de mettre un max de dégâts, c'est dommage que les gens sont sous embrouille, c'est chiant. Par contre, j'ai peut-être... Ah ouais, mais c'était pas à chaque fois. Qui est lourd, qui est lourd. Rabatteuse et pas aux abonnés absents. Ok. Vise-moi ça. On l'a, je pense. Réellement, là, je pense que c'est le dernier tour pour lui. Peut-être que maintenant, tu feras là, plus attention pas à l'encodage. Ce qu'on a fait. En plus, il y a l'outil. Je pense que c'est terminé. Coulerie en préparation. Quoi que j'ai flash. C'est fini pour lui. C'est terminé, GG à lui. On n'aurait jamais réussi sans KO. Allez, c'est fini. Bon, normalement, il n'y a plus personne. On est des machines, codex énergisant, voilà. Et en plus, on gagne un niveau. Oh là 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 là, alors là, le niveau, les gars, on va avoir assez insane, je pense, d'artefacts et de puissance, donc. À voir. Pour moi, c'est terminé. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Comment je me suis explosé la lèvre? Bon sang, mais où est passé Classy? Docteur Timothy! Espèce de bâtard! Il essayait de nous aider. Écoute, Mysterion est furieux contre toi, le nouveau. C'est vous qui avez lancé les hostilités, pas nous. Vous ne comprenez rien. Le docteur Timothy travaillait sur un moyen de nous sauver tous, les potes de la liberté, et le Coon et sa bande. Quoi? Ah, Timothy. Doucement, Doc. Tu as pris beaucoup de coups. Waouh, c'est votre base, les gars. C'est vraiment fantastique. Ça a l'air tellement amusant. Ouais, enfin, le repère du Coon a aussi des tas de trucs cool. Mais ouais, là, c'est cool. Le docteur Timothy n'a jamais été ton ennemi. Il essayait de tous nous aider. Et comment? Avec ça. Oh mon dieu! Il a compris. C'est l'obsession du docteur Timothy. Il y a travaillé sans relâche. Un projet de franchise impliquant tout le monde. Chaque héros ayant son propre film et sa propre série télé. Chaque héros sur un pied d'égalité. D'où Jésus? Ça, c'est... incroyable! Timothy s'est pratiquement tué à la tâche pour y parvenir! Alors pendant que nous, on essayait de vous dérouiller, Timmy essayait de nous aider. Ouais, et ensuite ce môme l'a pratiquement tué. On est désolé s'il nous vaut craint du boudin, c'est pas notre faute. Ouais, on a fait que se servir de vous. Il y a une récompense de 100 dollars pour ce chat. Et vous vouliez la garder pour vous? Ouais, mais plus maintenant. Ce soir en est la preuve, c'est quand on est unis qu'on est les meilleurs. Il est trop tard pour ça. On a commencé soudés. On voulait tous être super-héros pour la même raison. Vendre notre franchise et faire des millions de dollars. Faisons la paix. Je suis d'accord. Allez les mecs, finis la guerre civile. Allons chercher la récompense pour ce chat et lançons ensemble une franchise unique. Ouais, allons-y. D'accord. Mais on l'appellera les potes de la liberté. Les potes de la liberté. Et du coup, Timmy sera en fait le chef des potes de la liberté. C'est lui qui sera en charge. Oui. Ma foi, je trouve ça terrible. Franchement, les potes de la liberté, ça sonne carrément mieux que le Coon et sa bande. Les potes de la liberté. Les potes de la liberté. Ça me plaît. Alors c'est réglé. Demain, on récupérera la récompense de Sacré Pan et on l'utilisera pour lancer la franchise de Timmy. Ensemble, les potes de la liberté. Punition! Sans bannir! À fond, les gars! Allons-y! Ok les gars, c'est pas fini, c'est toujours pas fini. Bon, bah j'ai pas mon costume par contre, j'ai des choses assez sympas là-dedans. D'accord, les gars, il est temps de se mettre les artefacts au cas où il y a bagarre. Mais je pense que là, on est clairement sur la fin. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va mettre ça. Ça me paraît cool. Et là, hop, un 90.
Et là, on peut mettre un 80. Voilà. Bon, les gars, le moment, le grand moment est venu. Allez voir ce qui se passe dehors. Quoi ? Ouais, c'est chaud. C'est la première fois que je peux rentrer chez mes parents. Enfin, dans la chambre de mes parents. Il y a eu un bruit de ouf là, non ? Ok. C'est le daron alcoolique là, c'est sûr, les mecs. Ok, c'est quoi ? Waouh ! Il a perdu je sais pas combien de litres de sang, c'est terrible. Hein. Ouais, comment on peut faire là ? Là, y'a plus rien. Et maintenant, le programme d'info pour bien commencer la journée. Bonjour, South Park. L'attaque sur le poste de police SPPD hier soir a plongé les citoyens dans la stupeur et le désarroi. Avec des prisonniers désormais en liberté et des policiers à l'hôpital, un membre de la chambre de commerce en a eu assez et a déclaré sa candidature à la mairie. Les citoyens de South Park méritent d'être protégés. Protégés contre des justiciers en liberté qui leur pètent au visage. Ensemble, nous pouvons nous affranchir du terrorisme anal dont nous subissons le joug. Je m'appelle Mitch Connor et j'approuve ce message. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est compliqué, les gars. On en sache plus. Est-ce vraiment le sang de l'un de mes parents? Ça peut être autre chose, on sait jamais. Mais là, de toute évidence, il n'y a plus rien. Je pense qu'on peut sortir. Et on va en avoir le cœur net. Il est temps de se mettre en super-héros. Quand on pensait que c'était la fin, ce n'est pas encore fini. Il reste des choses à faire. N'as-tu pas parfois l'impression de n'avoir aucune idée de ce que tu dois faire? Comme si tu n'avais pas reçu de feuille de route et que tu n'étais même pas sûr de ce qui se tramait. Cher enfant, c'est parce que tu te cherchais, mais pas de la bonne manière. Connaître ton identité sexuelle, ta race ou ton ethnie, tout ça n'est rien comparé à ton identité spirituelle. Va à la mare, mon petit. Quelqu'un t'y attend. Quelqu'un qui pourra te faire connaître ta propre vérité. Ok, rencontre ton guide spirituel à la mare de Stark. Tous les potes de la liberté sont tenus de se rendre à la base sur le champ. Je répète, tous à la base. Ok, l'appel de la liberté. Il faut être niveau 700 conseiller. C'est un petit peu terrible tout ce qui se passe. Il y a un Niger qui est caché, mais pas vraiment caché. Oh, on a envoyé du PQ. C'est pas mal ça, ça c'est l'esprit de Noël, on apprécie les gars. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes le 24 décembre au moment où je record et au moment où normalement, si tout se passe bien, vous voyez cette vidéo. Tiens, vous savez quoi, je vais mettre en super je sais pas quoi, super arc-en-ciel sûrement, super bonbon peut-être, je sais pas. Ça me paraît pas mal pour cet épisode et puis on verra un petit peu où ça mène. Qu'est-ce que c'est dégueulasse, totalement dégueulasse ça. Bon, les gants étaient pas si mal, allez peut-être rien, peut-être juste, voilà, juste un... Comment on peut appeler ça? Un bracelet? Alors attendez les gars, il faut être niveau 700, c'est assez terrible ce qui se passe. On est 718. Waouh! Ok, cours pour ta vie, c'est le bordel. Hein. C'est le... Oh mais gros, ça va ou quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment un lendemain de soirée dans le quartier de South Park? Ok, direction le QG les gars. Faut aller chez Cartman, et chez Cartman c'est ici. C'est une fatale erreur qui nous coûtera sûrement très très cher. On est parti les gars, bon c'est pas grave, hein. Petit aller-retour. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Hop, étant donné qu'on peut stepper très rapidement devant. T'as besoin d'un trajet. Joli le nouveau. Plus le nouveau. Ok les gars, il va sûrement se passer quelque chose de terrible. Oh, salut petit. C'est moi, Classy. Je voulais juste te remercier de t'être occupé du chef de la police. Grâce à toi, je suis libre maintenant. Si t'as besoin d'aide, appelle Classy. Avec une petite bite suspendue au C pour faire un joli cul. Oh, consommable mobile de Classy. Qu'est-ce que c'est? Reine du délit de fuite. What? On dirait que c'est un truc que je vais pouvoir créer comme Moïse. C'est énorme! Non mais attendez, ça se trouve on est tellement loin de la fin du jeu. Oh, je me suis peut-être avancé beaucoup trop vite. Ok, c'est parti, direction les potes de la liberté. En espérant que tout se passe bien. What the fuck? Ah, il est détruit! Il s'est envolé, mec! Le projet de franchise de Timmy, tout ce boulot, il est quasiment illisible maintenant! Ils ont dû venir la nuit franchir la matrice de sécurité. Timmy... Mais qui ferait ça, bordel? Je parie que c'est les sixièmes. Y'a que pour tomber si bas.
Non, je pense que c'est une vengeance personnelle. Oui, Siri. Message vidéo entrant. Passe le message, plein écran. C'est quoi cet endroit? Eh, mais c'est pas les parents du nouveau. Ceci est un message pour le coup des sabandes. Oh, bon dieu de merde. On dirait bien que j'ai quelque chose que le nouveau veut. C'est bien, car il a quelque chose que moi je veux. Connor, quel fils de pute. Alors le nouveau, tu veux faire un échange? Faisons un marché. Écoute mon grand, tu vas avoir de gros problèmes si... Aïe. Va te faire foutre ma gueule. Il m'a frappé. Non mais vous avez vu ça? Sors, il fait exactement ce que je te dis, le nouveau. Sinon, tu ne reverras jamais tes parents. Émaille-toi, sinon je remets ça. Oh, qu'ils sont cons. Où ils sont, gros tas? Tu parles de qui, homme cerf-volant? Les parents du nouveau, ils sont où? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Parce que c'est toi, putain. Tu as kidnappé les parents du nouveau parce que notre fusion avec les potes de la liberté te fout la rage. C'est faux. Je veux cette méga-franchise plus que n'importe qui. Dites-le, les gars. Tu as 5 secondes, Cartman. Je suis de votre côté. Le nouveau, toi, tu me crois? Pas vrai? Ah, Timmy. Je prouverai mon innocence, enfoiré. Venez, on doit rattraper ce gros balourd. Qu'est-ce qu'il t'a dit? What? J'ai débloqué tout le monde pour le combat final, je suppose. Oh là là, ça me paraît pas mal. Donc, bon, j'avais tout ce que je voulais de toute façon. À part peut-être l'ulti à remplacer. Un ulti... Il me faudrait un ulti qui arrache tout. Et peut-être celui-ci. Les mentalistes invoquent un tourbillon de rocher. Une tempête de neige infligeant des dégâts à tous les ennemis impliquant choc et congélation. Ça, c'est assez incroyable. On va essayer ça, je sais pas du tout ce qui m'attend. Peut-être que ça sera qu'un ennemi, peut-être une dizaine part à la recherche du Kun. Dehors, il faut être niveau 700. C'est dans nos cordes, donc réellement là, je pense qu'on s'approche de la fin du jeu. Ils savent tous que Cartman, évidemment, c'était lui la main, les gars. Très bien, le nouveau. Je vais te dire où aller et tu vas y aller à pied. Pas de déplacement rapide, compris? Le premier, c'est facile. Va à l'endroit où les gens prennent leur café. Dépêche-toi. Tic-tac, tic-tac. Ok, bah au raisin. Au raisin, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Attendez, j'ai fait une grave erreur. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est très bizarre. Rends-toi au Twig Bros Coffee. Ok, il était totalement à droite. D'accord, c'est écrit sur la carte. Pas de suspense, les gars. Fallait comme par hasard, j'avais une chance sur deux, fallait que j'aille de l'autre direction. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Oh. Monsieur, vous marchez très droit. Il n'y a pas à dire. J'adore, il marche toujours très droit. Il faut savoir que les premiers épisodes étaient vraiment filmés. Il me semble, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Et dites-le en commentaire si j'ai tort, mais il me semble que c'était vraiment. Comment on peut appeler ça ? Qui peut tenir tête au chaos ? Personne ! Des bouts de papier, voilà. Le ils chaos filmaient vraiment leurs bouts de papier. Les losers ruminent. Attends, elle me veut quoi elle ? Non, c'est bon. Quand tu arrives à cet endroit, tu verras un gars en chemise rouge. Va lui parler. D'accord. On va l'écouter. Bonjour, bienvenue au Café Twig. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, ouah, c'est le justicier. Mais au fait, t'es un héros ou un méchant? La vache, ce café me fait vraiment tourner la tête. Bonjour. C'est pour toi. C'est bien, le nouveau. Cette fois, ça va être un peu plus dur. Au lieu de te dire où aller, je vais te donner une énigme. Tu es prêt? Un endroit où la mort revêt toutes sortes de formes. Va dans ce magasin pour découvrir ta récompense. Mec, avec ce truc, je suis défoncé. D'accord. Peut-être un petit selfie, je sais pas, ça peut être cool. Rends-toi au Twig, c'est fait. On peut pas faire de selfie avec lui. Hop, lui non plus, peut-être la demoiselle. Désolée, je suis tellement inquiète pour Twig. Non. Tu trouves qu'il a l'air d'aller, toi? Désolé, petit, je ne fais de selfie qu'avec les clients. D'accord, bah faudra sûrement que je lui achète un truc un de ces quatre. Wouh! Wouah! Boing! Ding! 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 Alors, tu te crois plus malin que gars du City Ninja? Ah! Crois pas que tu peux t'échapper!
les gars du City Ninja, toujours avoir un plan B. Tu t'es fait de nombreux ennemis dans cette ville, le justicier. Et maintenant, toi, falloir affronter nous tous en même temps. Leader de groupe, révélez-vous. Les sixièmes. Les filles du raisin. Ils nous ont volé notre travail. Les hommes crabes. Ha ha ha, justicier, tout le monde a les nerfs contre toi. Prépare-toi à mourir. Ok, je suis tout seul, non, c'est bon. On m'a dit bon. Que tu maltraitais des sixièmes, le CM1. C'est pas gentil. Ninja, toi, regardez. Technique très rare ici. Je vais repasser en arrière. Hop. Anomalie temporelle détectée. Au moins ça tu c'est fait. Tu ne verras jamais de reploplo après okay, ce que t'as fait. Ok, il peut pas me toucher, il peut pas me toucher non plus. Très bien. Bon, là, va y avoir des choses assez intéressantes qui vont se faire, d'accord. Donc, je pense que là, on va toucher les deux. Ça me paraît pas mal. Ça a pas l'air trop dur. Ouch. Tu touches pas mon petit cœur. Je pense qu'on va y arriver du premier coup. Front enragé, on approche. Ok. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ça. Non. Non, 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 non. On peut leur mettre choc, par contre. Ça peut être sympa. On va leur mettre choc quand même. Ça inflige quelques dégâts. Ils vont prendre vraiment ce qu'ils méritent. Pour petites économies. Je l'ai, les gars. Oh, la fille du raisin, je l'ai oublié. J'aurais dû la focus, putain. Aïe, 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 c'est terrible. C'est terrible. Ressemble à un crabe, rejoins les hommes. Ok, tu c'est sais, pour un crachat. Homme crabe, t'es pas si mal. Merci, les temps humaines. Aïe, 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 non, non. C'est parti. Compliqué, les gars, hein. Compliqué. Elle a charmé celui qu'il fallait pas. C'est l'heure de sortir son Tupperware. Ok. C'est très compliqué. Par contre, si je fais ça, il y a moyen que la tourelle se gave. Genre, vraiment. Ok, ça c'est pas mal. Oh, ça c'est pas mal. Retourne l'élan de l'ennemi contre lui. Kick quoi à l'avant. Normalement, ma tourelle devrait le gêner. Voilà, il va saboter la tourelle. Ça c'est pas mal du tout, ça. Je vais te faire payer ce que t'as quoi fait, copain, le CM1. On est mort. On est totalement mort. GG à eux, va falloir recommencer direct. Ultime prêt, sur un malentendu. Laissez que je vous montre, bande de tocards, comment on se la fait. Ok. Ok, voilà ce qu'on va faire, les gars. On va faire l'ulti. Ah ouais, ça inflige pas assez de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Et c'est quoi ça, attendez. Un par combat. Je sais pas c'est quoi. Eh hey, non alors. Oh. Ah. T'es mort, imbécile, mort. Ah c'est bien stylé. C'est bien stylé. Les autres filles du raisin auraient flippé en voyant avec qui je me battais. C'est rien ça, c'est rien, il me découpe un petit peu le Tupperware, mais bon. Que ces vilains vont goûter à la puissance très du bien. Super Mecha Mark 3. Comment on peut faire ici? Putain, je peux pas toucher les deux, ça c'est terrible encore une fois. Ça s'inflige repoussement. Je vois qu'une chose à faire. Oh là là, non, faut que je le garde. Faut que je le garde. Donc je sais pas du tout comment on va faire. Je calcule la solution idéale. Peut-être ça, non? Je sais pas ce que ça fait. Oh, je suis un connard. Mais oui, non, mais je suis totalement un... Je suis l'homme connard, on l'appelle dans le milieu. Ok, toi, regardez, Ninja. Ouais, je suis mort. Toi, mourir si bien, client très aimable. Ok. Et ça, ça soigne, mais ouais, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Et là, oh là 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 là. Ok, je vais la congeler. Je vois que ça va faire. Tu l'as laissé seule. Je suis qu'un esprit. Je vais t'en coller une bonne, ça te remettra à l'endroit. Aïe 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 aïe. Je vois pas là. Là, je pense que c'est mort. Elle peut pas attaquer parce qu'elle est congelée, c'est pas mal. Finalement, c'est pas mal. Viens humain, accepte les termes du contrat. Ok, il y a que Tupperware qui peut faire quelque chose. Là, j'ai peut-être réussi l'ultime coup de Trafalgar. Uh-huh.
que c'est. Qu'est-ce que c'est que cet ulti? Ok. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal ça. Oui. D'accord, en fait, je peux toucher tout le monde. C'est pas mal du tout ça. Elle, elle est quasiment morte. Ok, c'est vraiment cool. Je peux le faire, les gars, juste avec Tupperware. C'est clairement le frérot. Il y a que lui qui peut m'aider. Le saignement, normalement. Ce combat prendra trop de temps. Heureusement, moi, pas payé à l'heure. Ok, on va se protéger. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement congeler cette personne. Non. Je sais pas ce que j'ai fait là. Votre commande, s'il vous plaît. City bœuf ou city poulet? Ça peut être pas mal, ça. Comme ça, je m'occupe de la demoiselle à gauche. C'est pour ça, City Walk, meilleur restaurant que impeccable. Stupide raisin. Ok. Ne bougez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Ça picote, mais c'est pas grave. Ok, eux, pendant qu'ils sont dans l'embrouille, faut que je trouve une solution, hein. Là, c'est terrible. Calcul de vecteur HP, séquence d'attaque entamée. C'est terrible pour moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai peut-être fait ce qu'il fallait pas. Ok. J'ai peur. On est censé tuer enfant, pas d'autre moyen. Lui, il est totalement con, normalement. Préparez-vous pour action Shinobi authentique, s'il vous plaît. Et il me reste ma tour. Ça, c'est pas mal, finalement. C'est pas mal du tout. Très, très bien. On va faire quoi, maintenant? On va faire ça encore. On va baisser sa défense. Ah, vous, les enfants, avoir aucun honneur. Peut-être que Tupperware, les gars, va me sauver la vie, très clairement. Protéger l'innocent, appliquer la loi. Bah les gars, on va se soigner tout simplement. On va se soigner. On va utiliser ça. Allez, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. 160 régénération. Ma tourelle devrait s'en occuper. Il est totalement mort. On a eu très chaud, les gars. Fini. Heureusement, il y avait Tupperware. Heureusement, il y avait Tupperware. Tu as gagné. Fin de la mission. Putain. C'était tellement chaud, les gars. Ok, on continue. On continue, on continue. Donc, je devais aller où? Attendez, je me cours toujours de touche, c'est assez terrible. Résoudre l'énigme, d'accord. C'était quoi? Résoudre la devinette. Il faut que j'aille où, déjà? Part à la recherche du Kun. C'était un endroit où on peut se déguiser. Produc, c'est moi. Un endroit où la mort revêt toutes sortes de formes. Qu'est-ce que ça peut être? Il faut qu'on résolve cette énigme, qu'on batte Connor ensemble et qu'on prouve notre innocence. Oh, et merci d'être le seul qui ait confiance en moi. Ouais, bon, les gars, en termes de confiance... Et nouveau, j'ai suivi toute l'affaire. J'essaie de localiser Cartman. Pour le moment, fais ce qu'il te dit pour ne pas qu'il se méfie. Ah, d'accord, on essaye de localiser Cartman. Bon, les gars, faut trouver, mais ça me paraît bien compliqué cette histoire et je me trompe toujours de touche, les gars. C'est assez terrible, on va faire toute la ville. On va faire toute la ville, un endroit où la mort... oh là 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 là, je sais pas du tout. On va faire toute la ville, les gars. Ah, tu as résolu mon énigme, hein? Tu es moins bête que je ne pensais. Tu vois le mec qui est là? Fais un selfie avec lui, fais-le vite ou ta mère va souffrir. D'accord, donc c'est de là qu'il parlait, publié photo... Ah, d'accord, en fait, ça faut reconstituer la photo. Très bien, donc on fait les missions secondaires en plus des missions annexes et il faut que je fasse un selfie. Combattre avec le crime n'est pas un jeu, justicier, tu vas finir par tuer quelqu'un. On est parti, un petit selfie et puis on va s'arrêter là. Ça sera la fin de notre épisode parce que bah, j'ai fait au moins 20 bonnes minutes à vide pour trouver l'endroit. Il va falloir résoudre une dernière énigme. Je suis à un endroit où on s'assied au bout de chaîne. Moitié désert, moitié jungle, la joie irait. D'accord.
J'en ai aucune putain d'idée pour le moment et ça risque d'être assez terrible. Si vous avez des idées et que vous n'avez pas fait le jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Me donnez pas la solution directe, ça serait un petit peu chiant, un petit peu trichant, on va pas se mentir. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, je vous fais des bisous, passez un bon réveillon. A très bientôt tout le monde pour la suite de nos incroyables aventures. A plus tout le monde, ciao ciao.